Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Amazon vient juste de sortir une nouvelle enceinte, c'est l'Eco Pop qui se trouve juste ici, qui coûte 55 euros, la concurrente peut-être de l'Eco Dot 5 qui coûte 65 euros et 75 euros si vous prenez l'Eco Dot 5 avec affichage. Bref, on s'y retrouve plus, on va essayer de, de comprendre un petit peu ce que vaut cette enceinte dans cette vidéo. Avec l'Ecopop, on est sur une enceinte relativement classique, c'est comme si vous aviez coupé en deux l'Ecodot, donc on a une demi-sphère d'Ecodot, on va pouvoir utiliser évidemment l'assistant Alexa, mais pas beaucoup plus. En fait, euh, Amazon parie plutôt sur son design, qui est donc un petit peu plus, euh, plus, plus discret, on va pouvoir le mettre sur une table de nuit, sur une étagère ou même sur le bureau. Parlons maintenant un petit peu de l'enceinte. Alors, la bonne nouvelle, hein, c'est que lorsque vous allez installer pour la première fois cette enceinte, si vous n'avez jamais installé d'enceinte, il faudra télécharger l'application Alexa et suivre les indications. Par contre, si vous avez déjà une enceinte Echo, euh, bah, comme euh, une grande partie de la gamme, vous sortez euh, l'éco le, le, Pop de votre boîte, vous la branchez, ça va vous demander donc, de l'installer la première fois, vous ne faites rien et ça va s'installer automatiquement en 1 à 2 minutes, ça va ré récupérer le réseau Wi-Fi. Et puis voilà, franchement, ça c'est génial maintenant là où ça pose problème c'est que donc malgré un haut-parleur de 49 mm contre 44 pour euh, donc l'écho dot je trouve que le son n'est pas forcément très intéressant on a des, des, des basses assez intéressantes en tout cas assez profondes par contre à propos des, des aigus je trouve que là ça, ça pêche un petit peu on n'a pas quelque chose de très réaliste le son pour moi est évidemment moins bon euh, que sur l'écho Dot 5 L'Ecopop existe en quatre coloris, en anthracite, en blanc, en bleu canard et en lavande, c'est celle que j'ai. Vous euh, retrouvez côté design donc un patin en silicone en dessous qui va améliorer la stabilité. Et sur le haut, alors trois boutons uniquement, volume plus, volume moins et le bouton qui permet d'électroniquement couper le, le micro. Moi j'aurais bien aimé le bouton action qu'on retrouve parfois, alors notamment sur l'Ecodot, qui permet, lorsqu'on appuie dessus, d'éviter de dire le mot magique que je ne dirais pas là pour ne pas affoler vos enceintes. Et puis un petit mot hein, concernant l'écologie quand même, Amazon annonce que l'emballage vient de 99% de forêts euh, éthiques, en tout cas développement durable, euh, 80% d'aluminium recyclé et 100% de tissu recyclés. Un petit mot maintenant concernant la partie lumineuse. Donc, on a une petite bande LED, euh, alors bleue par, euh, par défaut. Si vous augmentez le volume, et je trouve ça assez sympa, vous allez voir que cette bande LED euh, va augmenter. Si euh, vous baissez le volume, la bande LED va euh, baisser. Donc, c'est assez pratique pour situer, pour savoir si vous avez encore de la marge ou non. Et puis, évidemment, si vous recevez un colis, cette bande LED va changer de couleur. Bon, bah, ça, c'est plutôt classique. Et puis, une fois qu'on a dit ça, bah, je crois qu'on a tout dit finalement sur l'éco-pop. C'est un petit peu décevant. Pour 55 euros, on a une enceinte euh, relativement jolie, design, qu'on va pouvoir mettre partout, mais c'est tout. On a évidemment la compatibilité avec Alexa, on va pouvoir lui demander la météo, euh, lancer euh, certaines scènes, ça, ça, ça ne change pas, lui poser des questions. Il n'y a aucun problème, lancer un minuteur, etc. Mais c'est tout. Euh, après, tout le reste n'est qu'une succession de déceptions. Première déception à propos de la connectique, alors comme sur les Dot 5, on n'a pas de port jack, j'aurais bien aimé justement un port où on puisse brancher un ordinateur, puisque c'est fait pour mettre un petit peu partout, pourquoi pas s'en servir comme enceinte d'ordinateur. Ça aurait été une bonne idée, bon là il n'y a déjà pas de port jack. Autre déception, pas de capteur de température, donc on a vraiment juste un basique, c'est simplement pour euh, bah, appeler l'assistant Alexa, on ne fera rien d'autre avec cet enceinte. Autre déception, je vous en parlais, hein, c'est le son finalement pour 10 euros de moins. Donc bon, on, je m'attendais quand même, sachant qu'il y a moins de caractéristiques, avoir un son à peu près équivalent, eh bien non, je trouve le son moins bon que sur les Dot. Alors je peux pas vous le faire écouter là, ça rendrait rien. Mais en tout cas, donc sachez que le son est moins bon que sur l'Echo Dot 5. Donc là aussi, c'est un mauvais point pour l'Echo Alors ça ne veut pas du tout dire hein, que le son est mauvais. Le son est très correct. Les basses sont assez chaleureuses. J'ai quand même un petit problème avec les aigus, un petit problème de manque de précision, notamment lorsqu'on dépasse les euh, 70% euh, du volume. Mais globalement, hein, c'est pas mal pour sonoriser une pièce. C'est sûr qu'à 50 euros, une enceinte à, à ce prix-là, il bah, ne faut pas s'attendre à, à des miracles. Donc le son est correct, mais quand même un peu moins bon que l'enceinte le, le, Echo Dot 5. Alors vous l'avez compris, hein, moi je vous recommande pas spécialement cette enceinte, le seul intérêt que je lui trouve c'est son design et alors le, le seul point fort ça serait euh, lorsque le, le prix sera plus intéressant autour des 25 euros, ce vous le savez hein, Amazon fait quand même pas mal de promos, peut-être moins un petit peu euh, depuis un moment, depuis que les prix ont, ont remonté, mais je trouve qu'à 55 euros en tout cas par rapport à la gamme ça ne les vaut pas donc préférez quand même une Echo dot 5. Voilà ce que je pouvais vous dire donc, sur les up Personnellement, je suis un petit peu déçu. Euh, si le produit vous intéresse, en tout cas, je vous mets le lien dans la description. Attendez quand même peut-être une promotion avant de l'acheter. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.